Bonjour et bienvenue dans ce 55e épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons cet épisode le 29 mars 2019. Je suis Denis Voituron et avec Christophe Peugnier, nous allons écouter notre invité du jour qui est venu nous parler de Kubernetes. Bonjour Christophe, bien remis de ton voyage sur le campus de la Metz ? Ouais. Dommage qu'on est revenu quand même. Bonjour à tous. Dommage qu'on est revenu, oui. On aurait pu effectivement rester encore plus longtemps, mais bon, après, j'étais bien là-bas. Ça, c'est vrai, ça je pense. Ceux qui n'ont pas encore regardé d'ailleurs le dernier épisode de DevApps, qui est consacré d'ailleurs à, on a enregistré une trentaine de minutes, je pense, à peu près, sur le campus, je les invite à aller regarder surtout sur YouTube, écouter éventuellement, mais surtout regarder, parce que c'est vrai qu'on en a eu plein les yeux, et c'était quand même pas mal. Et on a reçu d'ailleurs plein de félicitations aussi à sujet de cet épisode-là. Ça, j'étais quand même assez étonné. Même de nos amis Lifetile, qui en ont parlé apparemment longuement dans un des derniers épisodes d'hier, je pense, du 28 mars. Donc, n'hésitez pas à aller l'écouter aussi si vous voulez avoir des retours sur le retour, voir un petit peu ce qu'ils disent sur l'épisode. Donc voilà, mais notre invité du jour qui va nous parler de Kubernetes, tu vas peut-être nous en toucher quelques mots, Christophe. Qui est-ce? D'où vient-il? Que fait-il? Christopher Manneux. Bonjour d'abord, Christopher. Bonjour à tous. Alors, en fait, on te connaissait, moi je te connaissais surtout avec l'étiquette Deezer, mais juste avant, tu avais travaillé chez BeWise un petit peu, 2 ans? Un petit peu plus avec les stages, un petit peu plus de 2 ans. Ouais. Il y en a plein en fait qui ont travaillé chez BeWise, chez MS, quand tu regardes. Ouais. Je ne sais pas ce qu'ils font là-bas, mais alors. C'est une bonne école. C'est l'école du Sud-Ouest, ça. Voilà. Et puis après, ça remonte vers le. J'allais dire vers la pluie, je ne sais pas. Chercher les bureaux d'MS. Chez Deezer, tu as aussi été à l'origine de l'application Deezer sur Windows 10, il me semble. Oui, sur Windows Phone 8. Donc, au début, j'étais recruté pour travailler sur l'application Windows Phone 8. L'application Windows Phone 7 avait été faite par des partenaires et pour un premier essai en fait sur la plateforme. Et donc ensuite, je travaille sur Windows, l'application Windows Phone 8, l'application Windows 8 et enfin l'application Windows 10. Et dans le Phone, t'as sorti aussi un bouquin en C#, en fait, le C# sur la partie mobile, Windows Phone. Ouais. Aussi. Tu es chez Microsoft depuis 2 ans, pile quasiment à 15 jours près. Ouais, depuis mars 2017. Tu avais déjà fait des stages, il me semble, auparavant, ou des choses, ou des collaborations, je ne sais plus. Pas mal de collaborations, oui, jamais en stage ou en employé ou un vendor, mais j'ai été MVP pendant 7 ans, si ma mémoire est bonne. Donc je connaissais forcément pas mal de monde comme vous d'ailleurs. On avait eu l'occasion de collaborer sur du contenu, sur des événements. On avait fait un tour d'Europe par exemple avec Microsoft il y a quelques années. Il y avait déjà des liens qui étaient faits avant d'être employé. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent moi quels sont les avantages d'être MVP notamment. Je pense que le principal avantage, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, c'est ça, c'est l'aspect communautaire, mais de rencontrer des gens, quoi. C'est de rencontrer des gens qui sont passionnés, qui travaillent dans certains domaines, que tu n'as pas l'occasion toujours de voir, et c'est ça qui est vachement cool. Et tu les vois au Summit. Et on les voit au Summit, une fois par an. Ouais. Ça, c'est chouette. Et depuis 2 mois maintenant, parce qu'il n'y a plus d'évangéliste chez Microsoft, maintenant on parle de Advocate. Oui. C'est Azure Advocate, un peu comme Laurent Bunion, mais je crois qu'il est aussi Azure Advocate, lui, Laurent Bunion. Voilà. Alors, en fait, on est dans la même division, on est dans la même équipe, l'équipe des Azure Advocate. Ensuite, il y a des sous-équipes dans les Azure Advocate et lui est dans une équipe qui est orientée entreprise. Et moi, je suis dans une équipe qui, pour l'instant, parce qu'elle est mal nommée, on est assez changé ça, est appelée les Regional Advocate. Ça veut dire que je ne fais pas que du contenu en anglais, j'ai aussi une proportion à avoir une activité sur la France majoritairement, mais en fait sur l'Europe et au final tous les advocates ont fait des choses dans le monde entier. Dimanche je m'envole pour Séoul, pour l'Ignite Tour à Séoul, pour faire quelques conférences. Mais voilà, l'idée c'est qu'on soit aussi un peu plus ancré dans le tissu local, et donc pour moi c'est tous les pays francophones
autour de la France, puisque côté de nos amis comme Séoul, on a déjà comme Séoul, voilà, tout à fait, qui est très proche de la France, je pense, sur la gastronomie. Ouais, c'est à ça, notamment. Ouais. Voilà. Mais ouais, d'avoir voilà l'écosystème francophone autour de la France et la France être un peu plus ancré là-dedans. C'est pour ça, je sais pas si vous l'avez vu, on avait fait un tour des communautés dans l'Ouest il y a 15 jours. Voilà, on a avec deux collègues de Microsoft France, on a pris une voiture et en 4 jours, on a fait Orléans, Nantes, Tours et Rennes pour rencontrer des étudiants l'après-midi, rencontrer des meet-up et la communauté le soir. On a eu un super sondage de plein de gens, plus de 200 personnes qui nous ont demandé de venir dans d'autres villes. Donc maintenant, on est en train de voir comment on va continuer ce tour de France et voir peut-être même au-delà de des frontières françaises. Et le but des Advocates, c'est principalement quoi ? C'est de la promotion des outils Azure, Microsoft, ou c'est beaucoup plus large ? Alors, c'est beaucoup plus large. Notre mission principale, c'est d'aider les développeurs. Et pas forcément des développeurs qui sont sur les technos ou Microsoft. Mais on va le voir aujourd'hui, je vais parler de Kubernetes, qui est une technologie open source qui a été créée par Google et pas par Microsoft. Alors, on fait des choses avec Microsoft, on va faire un tout petit tour par le monde Azure, mais vous allez voir que c'est pour aujourd'hui, c'était vraiment juste pour me simplifier la démonstration plus que pour montrer de l'Azure. L'autre manière que j'ai de présenter ce job, c'est qu'on est là pour être des porte-paroles. Et en fait, on est des porte-paroles de deux populations à la fois. On est à la fois les porte-paroles des équipes engineering de Microsoft. D'ailleurs, notre division est dans les équipes engineering. On reporte, alors pas, j'ai deux, trois personnes entre, mais c'est Scott Guthrie qui est au-dessus de moi. Donc, on est porte-parole de ces équipes-là envers tous les développeurs, que ce soit des développeurs Microsoft, non Microsoft, Azure, non Azure, pour leur montrer ce qu'on fait, les innovations qu'on fait. Mais on est aussi, et ça change peut-être par rapport à la définition de l'évangéliste, même si c'est un gros débat en ce moment, où on est aussi des porte-parole pour les développeurs au sein de nos propres équipes produits. C'est un petit peu ce que font d'ailleurs les MVP, hein, d'une certaine mesure, où vous êtes inclus dans des listes de distribution, dans des meetings avec les équipes produits, et vous êtes capable aussi de leur dire, écoutez, là, vous travaillez dans votre bulle, dans votre équipe produit, mais sur la réalité du terrain, cette fonctionnalité, elle ne marche pas parce qu'il y a telle et telle raison. Ah ouais. C'est aussi une part remonter en fait le feedback du terrain aux équipes produits, ça fait partie intégrante de notre job. Il y en a certains évangélistes, pour vous montrer le niveau d'intégration, on a certains évangélistes qui participent à des meetings de manière, enfin toutes les semaines, notamment des backlog grooming, donc quand les équipes en fait font le backlog du prochain sprint de développement, on a de plus en plus d'évangélistes qui participent à ces réunions-là, alors que c'est vraiment des réunions, c'est juste l'équipe de dev, hein, normalement. Purement produit, quoi. Ouais. Voilà, purement dev. Voilà. Donc là, tu vas venir nous parler de Kubernetes, tu dis ? Ouais. Et donc, peut-être rentrons dans le vif du sujet, savoir qu'est-ce que c'est. C'est alors, juste avant. Juste avant, ouais. Quand on parle de Kubernetes, on voit toujours le mot avant Docker. Moi, je ne connais pas plus Docker que ça, mais tu vas me reprendre sur mon explication, enfin sur ce que je crois comprendre de Docker. D'accord ? Ouais. Pour moi, Docker, c'est une machine virtuelle où on enlevait l'OS pour gagner en ressources. Et donc, on a une sorte de gros package d'applications au singulier qui est dans une boîte et que je peux venir poser un peu comme une brique de Lego. Mais il suffit que j'ai juste un socle avec les petits bitonios de Lego, d'une plaque Lego qui est installée sur un OS et je peux venir paf, le positionner n'importe où du moment que j'ai le support Docker qui, lui, en fait, c'est juste une interface entre mon OS et moi, ce que je prends. Et du coup, j'ai une boîte qui est toute faite sans aucun déploiement et que je vais pouvoir prendre d'un côté à un autre. Et voilà un peu l'idée que j'ai de Docker, une sorte de virtual app, entre guillemets, parce que je pense pas qu'on... J'ai rarement vu le mot associé virtual app et Docker, mais pourtant, je trouve qu'on n'est pas loin de la même chose. Mais pour moi, c'est ça. Alors, ta définition est pas loin d'être exacte. Hein. Sur le principe, c'est tout à fait ça. C'est un ensemble de technologies qui sont à l'origine en fait des technologies, notamment du noyau Linux, qui existe depuis déjà pas mal de temps, bien avant l'arrivée de Docker.
Docker les a packagés, a créé un format, a créé des outils autour de ça qui font qu'elles sont utilisables, alors que ces technos-là étaient réservées globalement à des développeurs système et pas ouvertes telles quelles à tous les développeurs. C'est la force de Docker. Et ça permet en effet de packager à la fois ton application, mais tout ce dont ton application a besoin pour tourner. Donc bah, forcément, il va y avoir un framework. Alors on peut penser à l'interpréteur PHP ou Python, on peut penser à la runtime .NET Core. Et donc du coup, tu vas avoir en effet un package que tu vas pouvoir mettre sur à peu près n'importe quelle infrastructure et faire tourner ton application. La petite précision que j'apporterai, c'est qu'on n'a pas finalement supprimé l'OS, si on regarde bien. On a supprimé, on a remplacé l'hyperviseur. Et dans une machine virtuelle, en fait, tu as un OS complet qui tourne. C'est-à-dire un noyau Windows ou Linux, tous les petits outils système qui tournent, qui sont obligés de tourner pour avoir du réseau, etc. Alors que au sein de Docker, en fait, on va juste mapper, on va juste rediriger, en fait, faire croire à l'application qu'elle est toute seule sur l'ordinateur, alors qu'en fait, elle est dans une sorte de conteneur isolé et qu'elle utilise en réalité le noyau et l'OS qui tournent déjà sur la machine sur laquelle on a Docker. Voilà, c'est juste la petite précision. Je ne pensais pas que Docker était si révolutionnaire que ça dans une utilisation pour moi qui est très IT, en fait, Docker. Mmh. On est très, enfin pour moi, je trouve qu'on est vraiment au niveau de l'IT. Et en fait, l'avantage aussi qu'on a au niveau du dev, donc on est un petit peu entre, c'est vraiment les liaisons pour moi dev IT, ce truc-là. Je peux me tromper, mais je crois qu'on est positionné là. Et c'est d'avoir la possibilité de dire, tiens, je vais prendre une application V1. Ok, j'ai une V2, mais je prends la même boîte, c'est la boîte de la V2, et puis on peut jongler, mais alors quasiment hyper facilement entre l'un ou l'autre. Voire même à proposer des bêtas à certains. On pourrait faire ça finalement sans aucun problème de se manger des fichiers entre les deux conteneurs finalement. Tout à fait. En fait, la manière dont les conteneurs sont créés, on doit passer par une build, comme on build notre code .NET par exemple. On doit passer par une build de conteneurs. Et en fait, à tous les niveaux, il y a des systèmes d'optimisation où la conception par rapport à une machine virtuelle est différente. Ce qui fait que si, imaginons, tu as besoin de .NET et tu as besoin d'un framework à toi qui pèse, je ne sais pas moi, 200 mégas, si tu as deux versions de l'app, on va vraiment, entre deux images Docker, conserver juste la dernière couche, la dernière pellicule qui est différente entre les deux. Et donc, par exemple, quand tu vas récupérer sur un serveur de production cette nouvelle version de l'image, ou une version tout simplement différente, on a un système de tag dans Docker, donc tu pourrais avoir des versions différentes au sens flavors en anglais, pas au sens numéro de version. Donc oui, tu pourrais tout à fait avoir différentes versions qui sont sur ton même PC, et c'est censé être suffisamment léger, en tout cas beaucoup plus léger qu'une machine virtuelle, puisque entre deux VM, bah, tu es obligé de prendre les entre 200 mégas et 1 giga et demi par OS qui est dedans, alors que là c'est le même OS. Donc si quand tu lances ton application elle consomme 4 mégas de mémoire, mais ça veut dire que tu peux avoir des centaines de fois une instance différente de ton application sur le même serveur physique ou virtuel. Mais je pense que c'est pour ça beaucoup que Docker est utilisé, je pense, hein, c'est d'avoir vraiment des images très petites et très spécialisées, donc uniquement l'aspect virtualisation de la DB, virtualisation du serveur web, virtualisation de donc chacun des modules, et après tu les interconnectes. Hein. Alors, le gros avantage de Docker, parce qu'il y a plein de choses qui sont dites dessus pour moi, le gros avantage de Docker, c'est l'immutabilité. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu as mis ton application, que tu l'as mise dans un conteneur Docker et que tu l'as testée sur ton poste de dev, elle doit fonctionner en production. Modulo, oui, bien évidemment, connecter les bons volumes, enfin les bons partages de fichiers et exposer les bons ports. Mais en dehors de ça, ton application doit fonctionner, elle doit avoir tout ce qu'il faut pour fonctionner, elle doit s'exécuter, elle doit avoir le même comportement. Modulo, là aussi, si tu as besoin, de, par exemple, de GPU, parce que tu fais de l'intelligence artificielle. Mais hors ces petites considérations-là, qui sont assez faciles à connaître à l'avance, tout le reste, ça fonctionne. Il n'y a pas, j'ai oublié de configurer, j'avais deux IS avec un config au niveau de la machine que j'ai oublié de mettre dans mon script de déploiement, etc. On aurait pu dire, mais je ne comprends pas, moi, sur ma machine, ça ne bug pas. Exactement. C'est tout l'intérêt des conteneurs Docker. Après, d'un point de vue IT, on va pouvoir augmenter ce qu'on appelle la densité. Ça veut dire que sur un serveur,
là où tu pouvais mettre avant, je ne sais pas moi, 5 ou 10 machines virtuelles, ben là, tu vas pouvoir mettre 50, 80, 100, 150 conteneurs Docker. Et on a, dans toutes nos entreprises, quelle que soit la taille, on peut avoir des petites applications qui servent une fois par an, cinq fois par an, un petit script qui a besoin de plein de choses qu'on va lancer, je sais pas moi, pour la compteur cloutable ou l'appli de, pour poser ses congés si on est dans une boîte de taille importante. L'appli pour poser ses congés, on l'utilise 3 ou 4 fois par an. On l'utilise quelques mois avant l'été, quelques mois avant les vacances de Noël. Et le reste de l'année, elle sert quasiment à rien. Ben, au lieu d'avant d'avoir un ou deux serveurs ou une ou deux VM dédiées à ça, ben on va la mettre sur un cluster, par exemple Kubernetes. Elle va rien consommer quasiment tout le temps. Et puis le jour où on va l'utiliser, bon, ben, elle va prendre un petit peu plus de ressources. Mais au final, ça veut dire que sur un serveur physique, ben, on va pouvoir mettre beaucoup plus de ces petites applications ben, qui, au final, vont utiliser, on va dire, avec un peu plus de potentiel, la puissance du serveur. Je te propose, c'est qu'un de ces quatre, on fasse une sorte, ça va être nouveau dans DevApps, permets-moi Denis, on veut créer des petits ateliers de 5-8 minutes, pas plus. Et ce qui serait pas mal, c'est de dire, tiens, on va créer un petit script et on le fout dans un Docker. Parce que pour moi, c'est même révolutionnaire en tant que parfois, quand tu as plusieurs machines, tu reformates ta machine, putain, faut tout réinstaller. Mais si tu as déjà des Docker, tu installes juste la base de Docker, puis tu reprends tes blocs, termine, on n'en parle plus. Et tu as tous tes outils sont dispo. Quoi. Ouais. Ouais. Et ça, c'est, pour moi, c'est révolutionnaire, même quand tu es seul, tu vas gagner un temps formidable. Petite parenthèse, j'ai fermé l'autre. Docker, saviez-vous que c'était français? C'était fait en 2007-2010, et que malheureusement, ils sont partis aux États-Unis parce que malheureusement, en France, ils n'ont pas pu lever des fonds. Arrivés aux États-Unis, ils ont eu 800 000 dollars d'investissement comme ça pour des. C'était français à la base. Je ne savais pas. Pardon? C'était français. Bah c'est oui, un projet français. De fin d'études de l'école Epitech. Epitech, si mes souvenirs sont bons. Ou Epita, j'avoue. Epitech, c'est Epitech. Savoir laquelle demain, Epitech, voilà. C'est un projet de fin d'études, oui. Mais bon, on a raté ça parce qu'en France, je pense qu'on s'est dit, mais ça ne servira à rien. Non, mais bon, France, ça, je plaisante, bien sûr. C'est en Europe, de manière générale, je pense, hein, ce genre de philosophie. Ouais. Mais alors maintenant, à quoi ça sert Kubernetes? Qu'est-ce que là, par contre, je suis au stade zéro de la compréhension et je compte vraiment sur toi pour m'expliquer. Pas de souci. Donc, globalement, tu vas prendre ton logiciel. On pourrait faire ça avec des scripts aussi, hein, mais tu vas prendre ton application. Imaginons que tu aies une application web assez classique avec un front web JavaScript ou quelque chose de beaucoup plus. PHP MySQL. PHP MySQL. Donc, tu as ton PHP d'un côté, tu as ton MySQL de l'autre. Admettons que pour le coup, tu fasses deux conteneurs Docker différents, un pour ta base de données et un pour ton application en PHP. Tout ça, tu vas devoir le mettre dans ce qu'on appelle une registrie. Une registrie, en fait, c'est une sorte de bibliothèque pour les images Docker. Et après, il va falloir la mettre sur un serveur de production qui est exposé sur Internet, qui est bien configuré, qui a la bonne quantité de RAM, de disque dur, de CPU dont tu as besoin pour faire tourner ton appli. Tu peux le faire à la main. Tu peux installer l'engine en fait Docker dessus et tu pourrais même utiliser Docker Machine, c'est-à-dire à partir de ton client Docker en ligne de commande sur ton poste de développement, en fait demander à distance à ce serveur Docker de récupérer l'image et de l'exécuter. Ça marche bien, mais quand tu commences à passer à une certaine échelle ou quand tu commences, donc l'échelle avec nombre d'utilisateurs ou tu as besoin de plusieurs serveurs, parce que tu as une application qui a beaucoup d'utilisateurs, ou alors que tu commences à avoir des contraintes de type ben, moi j'ai besoin de garantir une qualité de service, donc forcément je suis pas sur une machine, je suis obligé au moins d'avoir deux machines pour me dire ben, s'il y en a une qui tombe en panne ou si j'ai besoin de mettre à jour Windows ou Linux sur l'une, ben, j'ai pas mon site qui est éteint pendant une heure ou deux pendant que je fais ça. Comment tu gères la persistance des données? Il faut savoir que Docker, de base, tout ce que tu écris quand tu as un programme à l'intérieur d'un Docker, d'un conteneur Docker, et qu'il écrit sur le disque, en fait, quand tu vas arrêter le conteneur, tout ce qui va avoir été écrit sera perdu. Ça, c'est le fonctionnement de base de Docker. Et il faut ce qu'on appelle monter un volume, c'est-à-dire dire à Docker, ben, en fait, ce chemin-là dans mon conteneur, ben, en fait, je vais le mapper, je vais le lier à un emplacement physique sur mon serveur. Mais ça, c'est pareil quand tu as plein de serveurs. Ça veut dire qu'il faut avoir un espace de stockage qui est partagé entre les différents serveurs. Comment tu gères ça? Comment tu assembles différents services? Docker et les conteneurs, et même Kubernetes,
on a souvent tendance à l'associer avec une architecture dite microservice, où en fait tu vas découper ton application en plein de petites API, plein de petits bouts. Donc par exemple, un site de e-commerce, tu vas avoir un service qui va calculer les prix et qui va intégrer par exemple tout ce qui est promotion, gestion des promotions, gestion de tu es client fidèle, donc tu as moins 5% sur les prix. Le système de gestion de shipping, où tu vas donner l'adresse, il va calculer les frais de livraison, etc. etc., etc. Mais quand tu commences comme ça à avoir plein de services, il va falloir que les uns communiquent avec les autres. Souvent, ça passe par une API REST, mais l'API REST, elle a quand même besoin d'un nom de domaine, d'un port, éventuellement de se connecter. Et puis toi, en termes de sécurité, tu ne veux peut-être pas exposer tous tes microservices internes sur le web, parce que tu vas pas passer ton temps à sécuriser tous ces services. Tu veux que ça reste isolé et finalement qu'il n'y ait que ton site web public qui, lui, soit exposé sur Internet. Comment tu gères ça quand tu as 5, 10, 15, 20 et puis voire des milliers de serveurs qui doivent répondre à ton site web? Parce que quand tu es à cette taille-là, tu en as toujours un qui va tomber en panne. Donc bah, les services qui étaient déployés, ces microservices qui étaient déployés sur serveur, bah, il va falloir les basculer vite sur un autre serveur pour continuer à répondre aux demandes des clients. Comment tu vas implémenter des services qui sont auto-réparants? C'est-à-dire, tu détectes qu'il y a un service qui ne fonctionne pas bien, qui reboot tout le temps, qui a pris toute la mémoire d'un serveur. Ben, comment tu fais pour automatiquement le déplacer sur un serveur qui a plus de RAM disponible pour qu'il puisse s'exécuter correctement? Donc, en fait, dès qu'on commence à s'adresser avec toutes ces problématiques-là, la Docker Engine ne suffit plus. Parce que la Docker Engine, tu es capable de gérer un serveur à la fois et tu n'es pas capable, en fait, de faire communiquer les serveurs entre eux pour qu'ils s'organisent comme des petites unités intelligentes pour se dire bon ben voilà, ce service-là, je vais le mettre sur ce serveur-là, ce service-là, je vais le mettre sur celui-là, puis je vais surveiller tout le monde. Et puis s'il y a quelqu'un qui commence à être pas très bien, ben hop, je vais vite déplacer les services sur un autre serveur. Et c'est là que rentre en jeu Kubernetes, ou plus généralement ce qu'on appelle les orchestrateurs. Les orchestrateurs, c'est des logiciels qui gèrent justement gérer ces services-là sur un cluster. Donc, ils apportent en fait tout un ensemble de fonctionnalités pour répondre à toutes les problématiques que je viens d'évoquer. C'est vraiment chef d'orchestre, quoi. Voilà. Tu peux me définir ce que c'est un cluster ? Un cluster, c'est tout simplement un ensemble de machines, un ensemble de serveurs qui travaillent ensemble pour exécuter une tâche. Voilà. Donc là, les clusters Kubernetes, leur tâche, c'est d'exécuter des conteneurs Docker. D'accord. Ouais, c'est typiquement, je pense, si dans Azure, c'est pas d'office dès que tu as un service, dit le même web app, si d'office, il n'est pas mis en cluster. Donc pour éviter, par exemple, que si tu as un des serveurs qui crash pour une raison matérielle ou peu importe, il soit automatiquement repris par deux ou trois autres serveurs derrière. Et donc c'est complètement transparent, je pense, vu de l'extérieur pour l'utilisateur final, quoi, et même pour le développeur. Alors, presque. En effet, la plupart des services qui sont dans Azure sont eux-mêmes hébergés dans un orchestrateur. Donc il faut savoir qu'il y a Kubernetes qui est globalement l'orchestrateur qui a gagné la bataille. Vous avez peut-être vous verrez peut-être passer, si vous faites des recherches, Docker Swarm ou Apache Mesos, qui sont d'autres orchestrateurs, mais globalement Kubernetes a gagné la guerre sur les conteneurs. Il y a un autre orchestrateur qui est très utilisé plutôt dans le monde Microsoft, qui s'appelle Service Fabric. Service Fabric est à l'origine en fait de beaucoup de services host, et encore aujourd'hui beaucoup de services au sein d'Azure. Si vous démarrez une base de données Cosmos DB, en fait derrière c'est du Service Fabric, par exemple. Service Fabric est très très intéressant pour des conteneurs Windows et pour héberger même des applications Windows sans qu'elles soient même dans des conteneurs. Si on fait des applications distribuées, si on fait des applications qui tournent sur Linux ou du .NET Core et qu'on l'exécute sur du Linux, en général, c'est Kubernetes qu'on va préférer, qui a un bien meilleur support de Linux que Service Fabric, même si Service Fabric est en train d'ajouter ce support-là. Mais il y avait même à un moment donné, c'est quoi Azure Container, qui était développé par Microsoft et ils l'ont arrêté pour passer à Kubernetes, non? Je me trompe? Alors, non, c'est pas tout à fait ça. En fait, on a un service, j'en parlerai tout à l'heure très rapidement, qui permet de démarrer un conteneur Kubernetes dans Azure, et d'avoir en fait tout un tas de choses qui sont déjà gérées pour toi.
Sans que tu aies à monter toi-même tous les serveurs, à installer Kubernetes et Docker sur tous les serveurs et à venir connecter tout ce monde entre eux. Voilà. Juste pour finir sur la précision, parce que c'est important pour les auditeurs, si par exemple tu montes une app web, un app service pour héberger une application web, par défaut, tu vas effectivement en sous-marin être hébergé sur une sorte de cluster. Ça veut dire que si le serveur physique tombe, celui qui héberge ton application, tu seras rebasculé sur un autre. Par contre, si tu utilises la configuration de base et que tu n'as qu'une instance, tu risques d'avoir une interruption de service. Le temps qu'on remonte ton site web sur un autre serveur. Donc, même s'il y a des choses qui sont faites pour toi dans Azure, il faut bien regarder service par service, parce que tu as peut-être des petites choses à faire, notamment dans le cas d'une web app, avoir au moins deux machines deux instances dans ton app service plan. Mais ça dépend du prix, je vais dire, du niveau, c'est ça, hein, basique, et standard, etc. Et oui. Tu payes deux fois plus cher si tu étais à une instance. Mais ça marche tout le temps. Mais ça fonctionne. Ouais. Tu augmentes ton SLA. Donc, tu réduis les chances que la plateforme qui héberge ton application ne réponde pas à une requête. Si tu n'as qu'une instance, il te certifie à 99,9%. Si tu en as deux, il te certifie à 99,9999. Grande différence tout de même. Ah bah, pour alors, certaines sociétés, oui. Je suis même pas loin de la vérité. Arrêtez de rigoler. C'est 1,9 de plus, je crois, c'est pas autant, mais en effet, ça change. Mais ça change de peut-être 3 heures d'indisponibilité par mois à 30 minutes. Oui, bien sûr. Donc ça dépend des applications. Il y a des applications, l'application de congé, est-ce que si pendant 3 heures sur le mois entier, en sachant qu'il y a aussi la nuit et tout ça, sur ce temps-là, elle n'est pas disponible, peut-être que c'est pas très grave. Ton site e-commerce, si tu es une boîte, c'est peut-être plus dommage. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Ok. La suite. Donc la suite, ouais. Alors la suite. Donc pour ceux qui nous regardent, j'ai fait une petite slide qui vous explique un petit peu les différents composants. Pour ceux qui ne regardent pas, c'est pas grave, ça paraît super compliqué. Ouais, il y a plein de choses sur cette slide. Ce qu'il faut comprendre, c'est que au final, Kubernetes, ça va gérer un ensemble de serveurs. Ça va gérer tous les Docker qui sont sur un ensemble de serveurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà pour avoir du Kubernetes, il faut avoir plusieurs serveurs. Si on fait du Docker que sur un, ben on utilise tout simplement Docker. Ça veut dire aussi qu'il faut installer Docker sur chacun des serveurs, puisque Kubernetes ne va faire que piloter finalement le Docker qui est en local et lui donner en fait le super pouvoir d'être communicant. C'est un peu le modem, on va dire, de Docker. Et il y a deux types de nœuds dans Kubernetes. On va avoir les nœuds qui vont vraiment exécuter vos conteneurs. Et puis, on va avoir un nœud spécial qui s'appelle le nœud master, qui lui, en fait, justement, va faire un peu ce rôle de chef d'orchestre sur ces différents nœuds workers. Et nous, quand on va interagir avec Kubernetes, en fait, on va venir parler à ce nœud master. On ne va pas venir parler aux différents nœuds qui hébergent finalement nos conteneurs, qui hébergent nos workloads. Donc pour ce faire, on installe Docker sur chacun des serveurs de travail. On va installer aussi le petit appli Kubelet qui va exposer en fait un service, une API pour ce nœud-là, qui va gérer la communication avec le nœud master. Et puis on aura peut-être aussi besoin de connectivité réseau, puisque tous les conteneurs, en fait, on peut, quand on déclare un conteneur, dire celui-là il doit être connecté en interne, il doit être connecté à l'extérieur, donc on va peut-être avoir besoin de monter aussi un autre service qui va exposer en fait l'intérieur d'un conteneur soit au reste du cluster, soit à l'extérieur. Par exemple, sur un site internet, si on héberge une API ou un site web. Voilà. Donc, dans ce serveur master, on va avoir un certain nombre de choses. On va avoir une API. Comme je disais, c'est là où on va interagir avec. Et puis, il y a une base de données, qui est une base de données open source, qui s'appelle etcd, qui en fait va contenir finalement ce qu'on veut de notre cluster. Je ne sais pas si les auditeurs ou si vous-même vous connaissez par exemple les templates ARM pour Azure. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Donc pour ceux à qui ça parle, XML, quoi. Voilà, pour ceux à qui ça parle pas, les templates ARM permettent de décrire en fait ce que l'on souhaite.
Quand on vient d'un monde de l'IT classique, c'est un peu perturbant parce que souvent, par exemple, quand on voulait avoir sur un Windows Server un 2IS qui est installé, le serveur de print et puis déployer un site 2IS, ben, finalement, on faisait un petit script qui allait installer la fonctionnalité Windows pour ça, qui allait installer la fonctionnalité print et qui allait faire une copie de fichier au bon endroit et changer les settings. Le problème de ces scripts-là, c'est qu'on ne peut pas forcément les rejouer. On ne peut pas comparer le script qui va faire des actions, parce que finalement, là, c'est une recette de cuisine. C'est étape 1, tu fais ça, étape 2, tu fais ça, étape 3, tu fais ça, à une production existante, pour voir s'il y a une différence. S'il n'y a pas quelqu'un, un admin, qui est venu jouer des paramètres et changer ce qu'on avait voulu à la base versus ce qu'il y a en, ce qu'il y a en production. Donc, il y a plein d'outils d'infrastructure as code, et les templates ARM en sont un, qui ne partent pas sur un ensemble d'étapes comme une recette de cuisine, mais qui décrivent l'état final, ce qu'on souhaite obtenir. Et Kubernetes, en fait, a le même fonctionnement. Ça veut dire qu'on ne va pas dire à Kubernetes « instancie-moi un conteneur ou 10 conteneurs qui contiennent telle image de mon application en moi ». On va lui dire « ben voilà, moi en fait, je veux un cluster qui est par exemple 10 nœuds, et puis sur ces 10 nœuds, ben, je veux finalement cette application-là, qui est composée de tel et tel conteneur, je veux telle connectivité réseau, et puis j'expose tel service à l'extérieur. » Donc cet état désiré, il va être stocké dans cette fameuse base de données etcd. Et ensuite, ben, c'est le nœud master, avec un composant qui s'appelle le control manager, qui va être chargé en fait d'interroger l'état des différents nœuds et de vérifier que c'est bien conforme à ce qu'on a voulu, à ce qu'on a décidé. C'est voilà. Vraiment un chef d'orchestre. Vraiment. Exactement. Le terme Exactement. Est vraiment correct. Par contre, ça me paraît extrêmement compliqué à mettre en œuvre. D'après ce que tu dis. Alors, ça dépend. Et alors, je pense qu'on va passer à une petite démo. C'est quand même, je pense, le mieux. Donc là, ce que j'ai fait, juste pour vous expliquer où on en est, j'ai créé un cluster Kubernetes dans Azure. Alors, Kubernetes, c'est un produit qui est open source. Ça veut dire que vous pourriez tout à fait créer un cluster Kubernetes à la maison si vous avez 3-4 serveurs ou 3-4 oui, PC. Oui, à la maison, mais oui, bien évidemment. Bah, oui, en général, on aime bien faire ça le dimanche en famille. C'est l'activité qui soude les gens ou avec des potes autour d'un alcool mousseux. on pourrait l'installer sur des Raspberry Pi. On pourrait installer si on a 3-4 Raspberry Pi, on pourrait installer Kubernetes et Docker sur chacun de ces Raspberry Pi. On peut l'installer parce que je veux dire, c'est tellement petit. Enfin, moi, quand on parle de Raspberry Pi, par exemple, ça, tout de suite, c'est la taille, quoi. Et donc, c'est faisable parce que ça n'a pas besoin de beaucoup de ressources ou c'est tellement petit à installer, c'est ça? Alors, en fait, c'est surtout que pour être honnête, si tu fais un cluster Kubernetes sur des Raspberry Pi, tu ne vas pas pouvoir faire tourner beaucoup de conteneurs. Oui, enfin, déjà l'installer, c'est déjà bien. Mais oui, tu peux l'installer, tu peux exécuter des petits conteneurs dessus, ça fonctionne. Après, sur un serveur de production, on a dans la documentation Azure quelque part des références sur Kubernetes. Et je crois que de mémoire, c'est 15 ou 20% de CPU et de RAM qu'il faut laisser un petit peu pour le système, pour l'OS qui fait tourner, parce qu'il y a quand même un OS sur ta machine virtuelle. Donc voilà, il faut laisser un petit peu d'espace quand même respirer les outils Kubernetes, mais au final, ça peut s'installer dans beaucoup d'endroits. Mais pour rester là, on peut rester en local avec Kubernetes et des Docker sur un Windows Server. Alors, on pourrait... Il n'y aurait pas d'intérêt peut-être? Alors, est-ce qu'il y a un intérêt si c'est un serveur? Encore une fois, non. S'il y a plusieurs serveurs, oui. Si tu penses, par exemple, à ton poste de développement, il y a des outils qui permettent de simuler un cluster Kubernetes sur ton poste de développement. Et donc, tu vas avoir plusieurs nœuds virtuels. Et donc, tu vas pouvoir tester, en fait, tout ce système de self-healing, d'auto-réparation. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu as un nœud qui tombe? Est-ce que tes applicatifs, ils se rebasculent bien sur les autres nœuds et tout ça? Tu pourras le tester en local. Il y a plusieurs outils pour ça. L'un des plus connus s'appelle Minikube. Il est intégré, enfin, il s'interface d'ailleurs avec Visual Studio Code. Et ça, c'est un outil open source hein, qui marche sous Mac, Windows, Linux. Donc, ça dépend de ton cas. Si c'est pour le dev, tu as des choses qui existent comme ça, très légères. Et sinon, effectivement, si tu as plusieurs serveurs, tu pourrais tout à fait le faire. C'est bizarre, je ne sais pas pourquoi, mais je pense à chaque fois, quand tu viens de me décrire, je pense à chaque fois aux tâches planifiées sur un Windows Server avec les services Microsoft.
Je pense à ça. Tu sais, il y a quelques règles qui disent, boum, s'il tombe, s'il redémarre, tu relances ça, tu retentes. Tu vois? Ça me fait exactement penser à ça, quoi. Tout à fait. Ben, il y a des règles. Alors, je ne sais pas si on aura le temps de les voir, mais effectivement, tu as des règles où tu peux dire, ben voilà, si tu peux exposer, en fait, ton conteneur Docker peut exposer ce qu'on appelle un heartbeat, donc un battement de cœur. C'est souvent une API HTTP que va interroger Kubernetes toutes les minutes D'accord. pour voir si ton service il répond toujours. C'est énorme. Et s'il ne répond pas à plusieurs heartbeats, c'est toi qui vas pouvoir configurer en disant ben voilà, au Ah bout mais de il crevait. 5 heartbeats qui sont en failing, ben je vais redémarrer le conteneur. Ah Et c'est puis si j'ai super. trop de redémarrage sur un nœud ou trop de conteneurs en fait, qui ne fonctionnent pas sur un nœud, ben c'est peut-être le nœud physique, c'est peut-être la machine en fait, de ton cluster qui ne va pas bien. Un C'est un problème de monitoring temps disque, réel, voilà. quoi. Ça, c'est un monitoring de base et qui gère tout. C'est génial. Voilà. Et alors, il y a plein de choses sur le monitoring, il y a plein d'outils aussi. C'est pareil, quand tu commences à avoir un cluster Kubernetes qui a 50, 100, 150 machines, il te faut souvent des outils pour diagnostiquer des pannes, puisque tu peux avoir une panne au niveau d'un conteneur, une panne au niveau de Kubernetes, ou au niveau du hardware ou de la connectivité réseau entre les outils. Donc ça, il y a plein de manières de le faire. Si on n'est que dans des technos open source, c'est souvent la stack ELK, Elasticsearch, Logstash et Kibana qui va être utilisée. C'est Dans souhait. Azure, on a Azure Monitor qui est capable de faire tout ça à la fois, de récupérer le trafic réseau entre tes VM, l'état de tes VM, l'état de ton cluster Kubernetes, et même d'aller agréger tous les logs qui sont dans tous les conteneurs de tout ton cluster pour avoir une vue unifiée. Donc là, c'est pareil. Y a plein d'outils open source qui existent pour faire du Kubernetes. Ce que va apporter Azure, c'est en fait tout un tas de simplifications finalement Ah sur bah le écoute, déploiement et sur l'opérationnel. je suis bien content que tu utilises le mot simplification parce que tout ce que tu m'as décrit, ça me paraît super. Mais alors, vas-y, commencez, fais-moi voir parce que là, Alors, je te oula. fais voir. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un cluster Kubernetes via un service dans Azure qui s'appelle AKS, Azure Kubernetes Service. Pourquoi j'ai fait ça? Déjà parce que j'ai littéralement trois clics et un formulaire à remplir et ça monte tout le cluster pour moi. Donc ça, j'ai pas eu à Génial. installer Docker, j'ai pas eu à installer Linux, j'ai pas eu à installer Kubernetes, à le configurer. Et parce que ce nœud master, on l'a compris, hein, ce chef d'orchestre, si lui tombe en panne, Ça craint. voilà. Et donc du coup, dans Kubernetes Service, en fait, ce nœud master, il est géré par Azure. On n'a pas à s'en occuper. Derrière, il y a des Il n'y a rien à faire. Kubernetes qui gèrent les Kubernetes. Enfin bon. Voilà. Donc du coup, tu vois là par exemple sur l'upgrade, puisque Kubernetes, il faut aussi le mettre à jour hein, de temps en temps, comme dans l'informatique de nos jours, tout change tellement vite. Le C'est chiant. framework JavaScript, Docker, Kubernetes, les OS, il faut mettre à jour tout le temps. Donc là, typiquement, pour venir mettre à jour mon cluster, c'est pareil, j'ai un assistant qui fait ça pour moi. Donc voilà, c'est juste pour me simplifier la démo. J'aurais pu créer des machines virtuelles n'importe où, Non, simplifions. mais ça me permet de faire ça de manière simple. Ensuite, je vais aller dans la ligne de commande, puisque c'est l'endroit en fait principal qu'on va utiliser, même si on va voir qu'on a des outils pour ceux qui Ça aiment tombe la bien, nous sommes graphique. barbus. Enfin, Voilà. barbus. Donc la première chose que j'utilise en fait, c'est un petit outil en ligne de commande qui s'appelle kubectl. Qui est un petit exe à télécharger et à configurer pour venir se connecter à ton cluster Kubernetes. Donc en fait, tu vas donner en fait l'API du nœud master et puis tes identifiants de connexion à ton cluster. Et par exemple, je vais pouvoir lui exécuter des commandes ici get nodes où en fait il va me lister finalement tous les serveurs qui sont dans mon cluster Kubernetes. Donc là, on voit au final que j'ai trois nœuds, trois serveurs dans mon Trois cluster. lignes, hein? Il y en a un qui a été créé il y a 20 heures, hier, et puis il y en a deux qui ont été créés il y a 3 heures. Pourquoi? Parce que mon cluster Kubernetes, là, c'est un cluster de démonstration. En fait, la nuit, je le passe à un seul serveur, et la journée, je remonte plus de serveurs. Ouais. Voilà. Et ça, c'est une fonctionnalité aussi qui est simple à faire dans Azure, puisque j'ai un petit bouton scale. Et donc là, par exemple, pour la démo, alors je vais voir si j'ai le droit de créer 20 serveurs. Je sais pas. Oui, toi, t'as un On va compte voir. illimité là. Non, parce qu'en fait, même nos souscriptions, il faut qu'on demande le nombre de cœurs suffisant. Mais 40 cœurs,
pense que ça doit fonctionner. On va voir, par contre, vous allez voir que ça prend quelques minutes finalement, parce que bah, derrière, on instancie une machine virtuelle, on déploie Linux, Docker, Kubernetes, on ramène tout ça sur le. Ouais, il faut un peu de temps, évidemment. Faisant pas trop, mais en pas trop, pense à l'écologie. Voilà. Alors, là, cette commande, elle est un petit peu magique, parce que vous avez vu, bah, j'ai fait kubectl get node, et je suis déjà connecté sur le bon cluster Kubernetes, etc. C'est ce que j'allais dire, tu t'es déjà logué avant alors? Exactement. En fait, pour me loguer, j'utilise un autre outil en ligne de commande qui est Azure, l'Azure CLI. Attends, ils auraient pas pu, enfin, ou c'est pas prévu de simplifier cette partie-là? Alors Là, laquelle? La connexion? ouais, enfin, tout ce truc sous DOS, enfin, sous Shell. Alors en fait, kubectl, c'est un outil de la communauté Kubernetes. Ah ouais. Donc ça veut dire que tous les gens qui font du Kubernetes en dehors d'Azure, ils savent très bien utiliser D'accord. kubectl. Donc ce qu'on a fait, c'est au lieu de réinventer la roue, un autre outil propre à Suis Microsoft, d'accord. etc., on utilise le standard open source du marché. Mais pour apprendre ça, là, du coup, y a Azure n'a pas un endroit où ils vous décrivent step by step. Non, ils n'ont pas prévu ça. Ou dans un Si, PowerShell qui serait en ligne, tu vois? tout à fait, il y a la docs, docs.microsoft.com. Si on va sur Azure, sur la liste des produits, conteneurs, Et vous remarquerez que la Kubernetes doc est en Service. français. Oui, je teste la documentation en français. L'équipe Docs, si on remonte un petit peu la hiérarchie Microsoft, l'équipe Docs et l'équipe des Cloud Advocates est en fait dans une seule grosse mini-division. Et donc je travaille avec les équipes de la documentation pour améliorer la documentation en français. Oui, une Ceci parenthèse, explique cela. tout le monde peut modifier la Tout le documentation monde peut d'ailleurs. Hein. modifier, sûr que Tout à oui. fait. Il y a un bouton modifier, ça passe en En pull approbation, il y a un guide request. derrière, un pull request, etc. Donc, Exactement. tout à fait. Et sans parler de modifier la documentation, parce que quand tu apprends, bah finalement, tu sais peut-être pas ce qu'il faut modifier. Tu vois peut-être qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, mais tu sais pas le modifier. Ouais. Bah en fait, tu peux simplement ouvrir un ticket. Bah, tu vois, là, Ah typiquement, oui. là, ça a été fait. Et donc, il y a des gens qui sont chargés en fait de venir corriger la documentation. Donc, eux vont aller chercher ces employés Microsoft qui vont aller chercher la bonne information et mettre à jour la documentation. C'est Là, on vraiment voit que ça a bien, été donc. ouvert il y a 2 semaines, mais il y a des discussions en cours. Ouais. Donc, je suppose que c'est pour ça que ça n'a pas encore été fermé. Ouais. Donc, en effet, là, tu vois, toute la D'accord. création, tout ce que j'ai fait a été expliqué ici. Ah ouais. Tu allais pas à pas. Et puis, dans certains, tu peux directement tester dans le Cloud Shell, en fait. Donc, Vas-y, tu n'as ça pas y est, clique. besoin, Ah super. Ah oui. Mais t'as tu pas te connectes besoin, en sur fait, ton de te code. connecter. Voilà, tu te connectes sur ton compte. C'est ça. Et ça va t'ouvrir un shell qui est hébergé dans Azure, qui, pour la petite histoire, est hébergé dans un conteneur. Ouais. Sous Azure. Et donc, du coup, tu peux exécuter les commandes en pas à pas C'est avec ta super documentation à bien côté. foutu, en tout cas, ouais, vraiment. Voilà. Donc, si vous voulez tester chez vous, faites-vous plaisir avec ça. La seule petite chose, c'est qu'il faut une souscription Azure. Donc, on On peut est ouvrir une d'accord. souscription de démonstration. Mais Bah, si on arrive à donc ce ça. stade-là, c'est qu'il y a des chances que voilà, on ait au moins. Une souscription Azure, ça me paraît évident. Voilà. Donc en effet, j'utilise donc la ligne de commande AZCLI qui a des commandes qui vont permettre en fait d'aller récupérer automatiquement tout ce qui est chaîne de connexion, etc. et de paramétrer finalement le kubectl comme il faut pour le bon cluster. Ce qui fait qu'au Ouais. final, je fais AZ login pour connecter la CLI Azure à mon compte Azure. Je fais AZ AKS get credentials de tête en passant le resource group et le nom de mon cluster. Et après, je peux utiliser kubectl. Donc là, ben voilà, j'ai déployé. Donc j'ai trois pour l'instant. Trois clusters, trois serveurs dans le cluster. Le cluster est encore en train de s'augmenter. Je peux regarder les deployments. Donc ça, c'est ce que j'ai déployé sur mon cluster. Et on voit là, vous voyez, les informations, par exemple, desired et current, avec des nombres. En fait, j'ai déployé deux applications déjà sur ce cluster Kubernetes et je lui ai demandé, par exemple, pour ASP.NET Core démo, de déployer deux fois cette instance-là. Ça veut dire qu'il va se débrouiller pour qu'il y ait en fait deux instances de conteneurs Docker qui exécutent la même application et il va bien évidemment les mettre sur deux nœuds séparés.
Ce qui fait que s'il y a un nœud qui tombe, mon application elle sera toujours valable. Et lui, il va, comme il y a trois ici pour l'instant, trois nœuds dans ce cluster, il va vite se dépêcher de redéployer l'application sur un autre nœud. Il y a du up-to-date parce que ça gère aussi la mise à jour de ton application. Il y a tout un tas de systèmes pour déployer la mise à jour à travers tous les nœuds de ton cluster. Il y a différentes politiques en fonction de est-ce que tu veux faire des rolling updates. Ça veut dire que tu vas d'abord déployer sur ta nouvelle version sur un nœud, et puis tu vas voir si ça s'exécute bien. Et puis, s'il n'y a pas trop de soucis, s'il n'y a pas d'erreur, si le conteneur ne s'arrête pas ou ne reste pas figé, et bien, au fur et à mesure, je vais venir déployer la nouvelle version petit à petit sur tous les nœuds du cluster. On imagine que quand on a 1000 ou plus de 1000 machines, si on déploie la mise à jour instantanément sur tous les nœuds et qu'il y a un problème, bah, finalement, on a tout qui tombe. Alors qu'avec ce système-là, si on a fait une erreur dans notre code, même si ça arrive jamais, hein, je pense que vous comme moi, on est assez bon pour écrire du code parfait. Voilà, bien sûr. Bah, y a des, voilà, dès qu'on a un stagiaire qui arrive, bon, ça arrive de temps en temps. Donc ça permet d'éviter aussi ce genre de choses. Donc là, finalement, c'est plutôt simple d'utilisation. Si je veux déployer, par exemple, une nouvelle application. Comment je fais ? Il y a une commande qui s'appelle kubectl-apply où en fait je vais envoyer un fichier qui décrit mon application. Alors à quoi se ressemble ce fichier ? C'est un fichier YAML, au format YAML. Au format YAML, on l'utilise dans plein de choses, qui va décrire finalement ce que je veux sur mon cluster. Alors là, je déploie plusieurs choses. C'est pour ça que le fichier YAML est un petit peu long, mais finalement, j'ai 78 lignes. Et en 78 lignes, je vais déployer un front-end web, un back-end API, une base de données Redis, un load balancer pour exposer tout ça sur Internet. Et finalement, je fais tout ça en 78 lignes de code. Oui, c'est le script d'installation, tout ça. Enfin, de déploiement. Voilà, ouais. le script qui va décrire ce que doit prendre en compte l'état désiré. Et qui va servir derrière à Kubernetes à déployer toutes les instances. Pour faire ce YAML, dis-moi si je me trompe, mais je pense que ce soit dans Azure, parce que je sais que dans Azure DevOps, c'est le cas, on peut configurer, je dirais, à la clic-clic dans les interfaces et à la fin, obtenir le code YAML correspondant, non ? Alors là, le code YAML est suffisamment simple. J'ai installé une extension YAML dans mon Visual Studio Code qui me donne autocomplétion. On n'est pas obligé de passer par là. Je vous montrerai après comment on peut créer tout ça de manière visuelle pour ceux qui ne sont pas forcément adeptes de la ligne de commande et du YAML. Mais le gros intérêt de passer par ce fichier YAML, c'est finalement que ce fichier YAML, il va finir où ? Il va finir dans le repository Git à côté de votre code source. Et ce qui fait qu'à partir du moment où vous avez un cluster Kubernetes, vous avez dans votre code source le code de l'application versionné, c'est surtout ça qui est intéressant, plus le fichier Dockerfile qui va permettre de générer l'image du conteneur Docker qui correspond exactement à la version de code qui est en même temps, plus le déploiement de l'ensemble, l'orchestration en fait, c'est-à-dire comment tous mes services, si j'ai 10 images Docker dans mon applicatif, ben comment je connecte tout ce petit monde-là pour le mettre sur une plateforme de production. Ça, et je tout suis ça, d'accord. C'est versionné. Donc ça veut dire que... Ça, c'est nickel, j'irais arriver à ça. Une fois que tu l'as, tu peux effectivement avoir le versioning, voir les évolutions, ce qu'il faut. Mais arriver à créer ce document-là, même si tu as l'autocomplétion, ça ne doit pas être simple. Je veux dire, il faut faire ça quasiment jour le jour ou aller dans la doc en permanence, quoi. Donc, c'est ça que je disais. Est-ce qu'il n'y a pas des outils purement graphiques qui permettent d'obtenir ça? Alors, il y a probablement des outils qui existent. Après, nous, on a un outil qui s'appelle... C'est un outil open source, mais qui est développé par des employés de Microsoft, qui s'appelle Helm, qui permet de créer des packages réutilisables et qui permet de simplifier justement ce processus d'édition de ce fichier YAML, qui là est relativement concis parce qu'il n'y a pas beaucoup de paramétrage, mais qui peut être un petit peu plus verbeux si on a plus de choses à faire. Donc on a effectivement d'autres outils qui existent. Là, ce que je voulais vous montrer dans ce fichier YAML, d'ailleurs, en attendant, je vais exécuter la commande. Donc là, c'est parti. Il a envoyé en fait à mon cluster Kubernetes les informations. Et puis, le cluster là est en train de faire tout ce qu'il faut. On a des choses assez intéressantes du type le réplica.
Ça veut dire que ici, mon backend, il va être déployé qu'une seule fois, mais il suffit que je fasse ça pour qu'il soit déployé 100 fois. Alors, ça n'a d'intérêt que si, bien évidemment, ce qui tourne dans mon application peut être déployé 100 fois. Quand tu dis il suffit de faire ça, c'est à juste changer de réplica, tu as passé de 1 à 100. Quoi. J'ai passé de 1 à 100, et après, bien évidemment, il faut faire reply pour prendre ce fichier qui est en local et l'envoyer dans le cluster. Et le remonter. Ouais. Voilà, ça ne sert à rien si on n'a que 3 machines dans le cluster, a priori. Et bien évidemment, il faut que ce qu'on fasse tourner à l'intérieur de notre cluster soit capable de gérer l'état. Parce que si on a finalement 100 bases de données qui écrivent toutes juste dans leur image et qui ne sont pas capables de partager les informations entre les instances, bah là pour le coup on va plus casser quelque chose qu'autre chose. La chose tout bête, c'est par exemple sur une application ASP.NET, pour les sessions, si on gère les sessions utilisateurs, si on utilise le cache in-memory, bah ça c'est une première chose à changer, puisque bah, si on a deux instances d'un conteneur, bah, vous allez avoir les sessions, la moitié des sessions entre guillemets qui vont être dans un conteneur, l'autre moitié qui est dans l'autre, et si jamais un utilisateur passe de l'une à l'autre, il va avoir des soucis. Donc il y a quelques petites règles de code ou de paramétrage, mais sinon c'est la seule chose. Et puis il y a deux choses qui sont intéressantes. Par exemple ici, c'est d'apporter des limites à nos conteneurs Docker. C'est-à-dire qu'on va lui dire, bah, cette base de données-là, bah, a priori, elle ne doit pas consommer, ce conteneur-là, il ne doit pas consommer plus de temps de mémoire. S'il dépasse ce temps de mémoire-là, bah, il faut que j'ai une alerte ou il faut que je le bloque. Surtout si j'ai d'autres ressources qui tournent sur mon cluster. Si tu le dis pas, c'est limité. Et si tu le dis pas, de mémoire de base, oui, il va prendre ce qu'il y a sur le cluster. Enfin, il peut monter jusqu'à prendre ce qu'il y a sur le cluster, modulo, bien évidemment, ce qui est utilisé par l'OS et par Kubernetes pour faire tourner le nœud. Parce que Kubernetes a besoin d'un peu de mémoire pour faire tourner le nœud. Et puis après, l'autre chose qu'on va déployer, c'est un service qui nous permet en fait d'exposer sur Internet. Finalement, ou en interne, ce qu'il y a à l'intérieur de ce conteneur Docker. Et donc justement, avec kubectl, je peux aller voir les services. Donc ça, c'est qu'est-ce qui est déployé et qu'est-ce qui est exposé finalement sur mon cluster. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que typiquement, ben, par exemple, on a ASP.NET Core, elle est derrière un load balancer, et puis elle a une adresse IP publique, et puis un port. Donc, ben, on va pouvoir y aller. Hop là. Alors. Hop. Tu reprends l'adresse IP et le port. 80.81. Et voilà. Et donc là, j'ai juste déployé le sample ASP.NET, ASP.NET Core. Hein. Rien de bien méchant. Et puis après, j'ai une démo NGX. Donc NGX, c'est un serveur web très connu dans le monde Linux qui. Dans plein de cas remplace Apache qui a une autre adresse IP, qui a un autre port, et tout ça finalement ça tourne sur le même cluster Kubernetes. Ça tourne si j'ai un serveur dans mon cluster ou si j'en ai 100, c'est Kubernetes qui va se charger en fait de faire le routing, et à l'extérieur j'aurai toujours la même adresse IP, si physiquement ça a changé, c'est passé d'un cluster à l'autre. Mais là, donc ça, c'est des applications qui sont déployées, donc je comprends bien avec l'aspect réplication, ça tombe, ça se remet en place, etc. Mais comment tu as fait pour pouvoir mettre ce template, enfin cette démo ASP.NET Core ou Nginx directement sur le serveur? Tu as dû d'abord créer un Docker en local. Alors, j'ai créé effectivement une image Docker que j'ai... voilà, c'est ici ce que je voulais vous montrer... Alors, on va en prendre une à moi. Donc, effectivement, oui, j'ai créé une image en local que j'ai poussée sur la registrie. Alors là, dans cette démo, j'utilise des choses qui sont dans la registrie publique de Docker, Docker Hub. Donc, n'importe qui peut y accéder sans accès, etc. Donc là, typiquement, j'ai un conteneur où j'utilise l'image Redis. Qui est une base de données. Fait notre propre code, il faut... L'image qu'on voit là, c'est le nom de l'image Docker qui se trouve dans le repository public ou ton repository à toi, si tu en as un. Exactement. OK. Voilà. Okay. Et donc, en effet, il faut que tu crées un repository, si tu veux, pour ton code à toi, que tu ne vas pas mettre en public. Ouais. Il faut d'abord que tu crées une registrie. Il y a un service dans Azure pour ça. Il y a une image Docker pour ça. Donc, tu pourrais l'héberger toi-même de ton côté. Mmh. Et après, il faudra connecter ton Kubernetes à ta registrie privée. Et effectivement, tu auras à mettre le nom de l'image que tu veux déployer. Voilà. OK.
Donc, il y en a plein qui aiment la ligne de commande, il y en a d'autres qui n'aiment pas la ligne de commande. Donc pour ça, il y a une autre manière de faire, c'est d'installer en fait le dashboard Kubernetes. Donc si ça vous intéresse, pareil, je renvoie les auditeurs vers la documentation sur docs.microsoft.com ou si c'est trop long à retenir, vous pouvez aussi taper docs.com. On a arraché ce nom de domaine il n'y a pas longtemps. Ah, ça marche aussi, ça. Marche aussi. Ça redirige vers docs.microsoft.com. Test direct. On peut tester même en live pour ceux qui ont l'image et qui n'en croiraient pas leurs yeux. C'est intelligent, ça. Ils ont dû payer une fortune, le gars qui avait récupéré le nom de domaine en prêt. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui a eu un cadeau de Noël en avance, en effet. Ouais. Putain, il faut réfléchir à des domaines. Denis. Ça, voilà. Ça peut rapporter. Si un jour, ils sortent une application Pug, je suis millionnaire. Il y a déjà plus de chances que d'avoir mon nom de domaine à moi. Hein. Ça sera plus compliqué d'avoir une application qui s'appelle comme ça. On va lancer un truc. Alors. Donc, on installe le dashboard, ça c'est l'opération qu'on fait une seule fois, qui est une application qui tourne elle-même dans un conteneur. Et ensuite, c'est simple, il suffit d'utiliser cette ligne de commande-là, azaksbrowse, qui va faire quelque chose d'un peu particulier, mais c'est comme ça qu'on fonctionne sur tous les clusters Kubernetes, Azure ou pas Azure. En fait, on va faire un tunnel entre son PC et l'API qui est à l'intérieur du cluster Kubernetes. Ça veut dire que le cluster du Kubernetes n'a pas d'adresse, où on a le dashboard qui est exposé en public quelque part sur Internet. Ça passe forcément par ce tunnel derrière. Et donc ensuite, on a une petite interface web. C'est bien foutu. C'est clair. Qui nous permet d'avoir la consommation CPU mémoire sur l'ensemble de notre cluster, sur tous les nœuds de notre cluster, d'avoir les différents déploiements. Donc ouais, là, on voit... Cool. Alors, je vais rafraîchir parce que du coup... Alors, le rafraîchissement, ça peut planter parce que le tunnel tombe si on ne l'utilise pas de temps en temps, ce qui a dû se passer. C'est parce que là. Tu n'as pas mis Kubernetes où tu lui as dit que, attention, si ça ne marche pas, il n'y a aucune règle. C'est parce que mon tunnel n'est pas dans Kubernetes, en effet. Donc, c'est pas grave, on va juste le relancer. Et donc là, tu te connectes en 127.0.0.1.8001, donc local. Oui. Mais tu n'as rien en local. Le serveur, donc tu crées un tunnel entre ton port local, on va dire, et le serveur dans Azure. Tout à fait. C'est là que se trouve le Kubernetes, le portail Kubernetes qu'on voit ici. Tout à fait. Le portail lui-même est hébergé dans un conteneur Docker qui est lui-même hébergé dans mon cluster Kubernetes et pas du tout sur ma machine. C'est ça. Okay. Voilà. Moi, j'ai juste la CLI Azure et kubectl, donc le petit outil en ligne de commande pour manipuler Kubernetes. C'est ça. Voilà. Et donc là, on voit, vous voyez, age 7 minutes. Donc on voit en fait les deux, mon petit fichier YAML qui a fini d'être déployé ici. Mm-hmm. Et puis si je vais sur service, je vais retrouver donc mon front avec mon endpoint public. Et donc là, j'ai une petite appli de vote. Qui derrière a duré 10, donc ça montre aussi la connectivité entre deux clusters, entre deux conteneurs, c'est-à-dire que j'ai un conteneur qui héberge le front et l'API qui a derrière les deux boutons, et puis un autre conteneur qui héberge la base Redis et qui stocke finalement les résultats des votes. Voilà. Et donc du coup, pour déployer un nouveau service dans Kubernetes, on pourrait le faire directement ici. Sans passer par le fichier YAML. Alors, je peux poser le fichier YAML là, ou je peux faire créer une application, et là, directement lui donner l'URL, tu vois, d'une image sur Docker Hub. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, tu pourrais la créer directement. Enfin, j'avais mal compris alors tout à l'heure. En fait, ce que tu définis dans le YAML, c'est la configuration, en gros, uniquement de Kubernetes, de la manière dont tu vas déployer ton image. Mais tu ne définis pas le contenu de ton image. L'image, elle doit préalablement avoir été définie avec éventuellement un autre YAML ou une autre technique de création et hébergée dans le repository. C'est juste. Allô, je ne t'entends plus. Pardon. Je t'entends. J'ai coupé le micro pour me réhydrater la gorge et je ne l'ai pas rallumé. Oui, effectivement, ton image, elle doit être dans une container registry Docker, public ou privé. C'est ça. Et Kubernetes ne va pas builder. Après, tu pourrais très bien avoir une chaîne d'intégration continue qui est hébergée elle-même dans ton Kubernetes et qui va faire ce build-là pour toi.
On pourrait faire une sorte d'inception. Ça complique. Ça complique. Et si on est dans un environnement, on va dire, pro-Microsoft, ou même d'ailleurs pas pro-Microsoft, on pourrait utiliser Azure DevOps, notre suite d'outils de développement, pour builder le conteneur dans Azure DevOps et le pousser dans une registrie derrière. Donc dès que tu fais une pull request, dès que tu fais un commit, on va builder l'image qui correspond à ce commit-là et on va la pousser dans la registrie. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Voilà. Donc voilà, cette petite interface-là, elle te permet. Là, on voit mes nœuds. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Cette petite interface-là, elle permet finalement de piloter un petit peu ton cluster Kubernetes. Donc là, vous voyez tous les nœuds qui commencent à être créés. Chaque ligne est un nœud. Donc ça m'a bien rajouté mes 20 serveurs. Et donc voilà, il y en a qui ont été rajoutés il y a 15 minutes. Donc ça c'est tous les niveaux et on peut faire des choses assez sympathiques depuis cette interface là. Si je prends Azure celui-là, on voit en fait mon réplica set. Donc c'est quels sont en fait l'ensemble des copies de l'instance de cette application là. Et si je suis sur cette instance là, je peux faire par exemple log et accéder au log en direct du conteneur. Donc par exemple, si vous avez un serveur web, je peux vous montrer, est-ce que je vais retrouver, voilà, mon pod NGX, les logs. Donc là, je vais afficher les logs de mon serveur NGX. Et puis, alors, juste pour qu'on soit tous d'accord, voyez, la dernière requête, elle est 29 mars midi 01, heure UTC. Et là, je vais rafraîchir mon site et puis je vais taper Toastnet pour avoir une erreur. Voilà. Je ne vois pas pourquoi Toastnet, tu l'as fait une erreur. Un peu sur le coup. Et puis, je vais rafraîchir mes logs. Et puis, si ma démo fonctionne bien, voilà, on voit bien. No such file, or directory. Ouais. Désolé pour toi. Mais donc, on a accès en fait aux logs qui sont les logs d'un conteneur. D'accord. Ouais, c'est ça. C'est pas les logs de l'ensemble. Et puis on pourrait de la même manière avec ce système-là, en fait, se connecter en ouvrir un bash en fait, ouvrir une session à l'intérieur d'un conteneur, par exemple pour exécuter une ligne de commande qui doit s'exécuter à l'intérieur du conteneur. On pourrait aussi le faire via kubectl ou via cette interface-là. Et si j'ai bien compris, ce que tu expliquais tout à l'heure, c'est que tout ce qu'on voit ici, les logs notamment. Si on arrête le conteneur, ils vont disparaître, ils ne sont pas persistés. Tu devrais avoir un espace de stockage associé pour pouvoir les enregistrer, c'est ça? Alors effectivement, si tu veux en fait persister des données, tu as une notion de volume persistant. C'est ça. À l'intérieur de Kubernetes et à l'intérieur d'ailleurs, tu as une notion de volume dans Docker et une notion de volume persistant dans Kubernetes. Donc tu utilises les deux. À la fois d'un point de vue de ton conteneur pour dire attention, moi j'ai besoin de sortir quelque chose ailleurs. Ça, c'est quand tu définis ton conteneur, quand tu fais le build. Et puis dans Kubernetes, de lui dire cette sortie-là de ce conteneur-là, je vais la mettre sur un volume persistant. Donc, ça, en fonction de ton déploiement de Kubernetes, c'est à toi de voir comment tu le fais. Si tu es dans Azure, on a créé des connecteurs pour venir se brancher au storage Azure, et notamment au disque Azure. Voilà. C'est ce que j'allais demander, logique. Si tu le fais, chez toi, à toi à le mettre, soit sur un NAS, par exemple, si t'as un NAS, ou alors sur le bon disque, sur chacun des serveurs, allez le mettre sur le bon disque. Voilà. Ou sur quelque chose de plus redondé que juste un disque classique. Et ça aussi, c'est géré, tu vois, il y a une notion de storage classes. Donc en fait, tu peux avoir différents types de stockage. Tu peux paramétrer différents types de stockage. Ici, c'est pour avoir du disque normal et du disque premium, donc du SSD dans Azure, mais tu pourrais créer tes classes de stockage toi-même en disant là c'est juste un disque local, il est peut-être performant mais il n'y a pas de redondance, et là j'ai un disque qui est en fait une connexion vers un NAS ou une BSAN si on est dans un environnement un peu plus complet, et déployé pareil en fonction du besoin, aller pointer le volume vers le bon type de stockage. Ok, parfait. Ça va, on va peut-être passer à la suite, parce que comme d'habitude, évidemment, on pose beaucoup de questions, donc on augmente le temps. Donc je te laisse poursuivre. Yes.
Donc, comme j'ai dit au début, Kubernetes, c'est un produit finalement à la base qui est fait par Google, mais Microsoft a fortement investi dessus de plein de manières différentes. La première, c'est tout simplement en embauchant une partie de l'équipe qui avait créé Kubernetes. Ensuite, c'est en essayant d'intégrer Kubernetes avec le plus d'outils. Donc, par exemple, on a une intégration avec Visual Studio Code. On a une extension. Tu vois, je t'ai montré le dashboard. Je vous ai montré le dashboard tout à l'heure en ligne. Et finalement, dans Kubernetes, je peux avoir dans Visual Studio Code, pardon, je peux avoir un panneau sur la droite, sur la gauche ou sur la droite, avec finalement l'équivalent de ce que j'ai dans le portail. Donc, je retrouve mes nœuds et ça va me lister l'ensemble des nœuds et des services qui tournent sur ces nœuds-là. Je peux lister mes services qui ont été déployés sur mon système et avoir l'adresse IP, pouvoir faire le terminal, attacher le debugger. Ça aussi, il y a plein d'outils. Là, je vous ai plus montré en fait finalement le chemin de production d'IT, on va dire. Mais il y a plein d'outils pour les développeurs. Et une des intégrations qu'on a fait avec Visual Studio Code, c'est de pouvoir attacher le debugger de notre projet sur un conteneur qui tourne dans un cluster Kubernetes. Il suffit, vous voyez, juste d'aller dans le... pour peu qu'on ait tout bien configuré, il faut aller dans ce panneau-là sur Visual Studio Code, faire un clic droit sur l'instance de notre conteneur et faire attach debug pour le faire. Ou, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le terminal, le log ou le port forward. Ça, c'est intéressant, par exemple, quand on est dans des architectures microservices, parce qu'en fait, vous avez... Comme j'ai fait un forwarding de port pour pouvoir accéder à mon dashboard depuis mon navigateur, je peux faire un forwarding de port sur un service précis pour appeler cette API qui normalement n'est pas censée être exposée en dehors du cluster. Et ça me permet là de l'utiliser avec les outils que je veux, avec mon appli mobile, si je suis en train de débugger une appli mobile, avec un Postman, par exemple, si je veux juste faire des tests de requêtes HTTP avec ce que je veux. Donc ça, voilà, ça fait partie des intégrations. Ça, c'est une extension. Alors, une extension VS Code qui s'appelle Kubernetes, tout simplement. Qui s'appelle Kubernetes, oui. Si on va dans l'extension, dans le marketplace, elle s'appelle Kubernetes. Kubernetes, voilà, faite par Microsoft, ok. Voilà. Ok, nickel. On a aussi des extensions à Docker au passage qui permettent. Alors là, j'ai mon Docker sur cette machine-là, j'ai mon Docker local que j'ai cassé à force de trop bidouiller dessus, mais ça permet d'explorer les images qu'on a en local et pareil de lancer une image, d'attacher le debugger, d'avoir les logs sur une image qui tournerait en local. Et puis ce qu'on fait aussi, c'est un ensemble finalement de services. De produits open source autour de Docker. Donc Helm, qui est un gestionnaire de package, par exemple, si vous voulez déployer un Elasticsearch, etc., on a une sorte de package Helm qui va tout déployer pour vous dans le Kubernetes avec les meilleures pratiques. On a Draft et Brigade qui sont notamment des outils pour vous faciliter le déploiement en termes de développeurs. Pourquoi ? Je vous rappelle le cycle qu'on avait 100 conteneurs quand on déployait, on lançait son Visual Studio, on faisait F5, on modifiait quelque chose, et en fonction, par exemple, si on modifiait juste un HTML ou si on était sur certains projets récents de Visual Studio .NET, on modifiait une ligne de code, on faisait enregistrer, ça recompilait, ça relançait notre application. Finalement, on avait un flow comme ça qui était, j'édite le code, je retourne dans ma page web ou dans mon application, puis je peux éditer ça de manière très facile. Là, pour arriver à faire ça, en fait, il faut faire son code, le compiler, builder l'image Docker, la pusher sur une registrie, la pusher dans Kubernetes, la déployer sur Kubernetes et finalement attacher le debugger sur la bonne instance du Kubernetes. Donc là où il nous fallait, on ferme l'application, on change un truc, on recompile et en 15 secondes, on pouvait tester notre code. Là, le chemin est beaucoup, beaucoup plus long. Voilà. Et donc Draft est un outil en fait qui nous permet de raccourcir ce chemin-là puis qui fait tout ça pour nous en sous-marin. Il se connecte à notre cluster Kubernetes, il a un watcher, un file watcher qui va surveiller les fichiers, et dès qu'on modifie un fichier, il fait ce qu'il faut, il fait le delta pour qu'on ait cette boucle-là à nouveau, même si on développe dans du Kubernetes. Et puis on a des choses très intéressantes comme Virtual Kubelet,
Donc Virtual Kubelet qui est un, pareil, un projet à la base 100% Microsoft, mais qu'on a déployé en open source pour tout le monde et qui commence à être utilisé dans d'autres domaines que Microsoft. Là, vous avez vu, dans ma démonstration, j'avais plus que trois nœuds dans mon cluster au début, puis je suis monté à 20. Mais il nous a fallu quelques minutes, j'ai eu le temps de vous faire plein d'explications pour arriver à avoir mes nœuds qui sont finalement dans mon cluster. Et l'exemple que je prends toujours, c'est les startups qui n'arrivent pas à résister à Capital. C'est-à-dire qu'il y a Capital qui fait une émission sur un sujet, il montre une super startup qui résout une super problématique. Tous les gens, la moitié des téléspectateurs se ruent sur leur tablette, leur PC pour aller voir le site de la startup. Et ben, le site tombe parce qu'elle ne tient pas la charge. Donc là, même si on a plein d'outils pour gérer ça finalement avec Kubernetes, c'est pas assez rapide le temps de grossir son cluster. Mmh. Et Virtual Kubelet, en fait, va permettre de déployer des clusters, de déborder son cluster sur des Azure Container Instance, qui est un service en fait où on gère pas l'orchestrateur. On dit juste à Azure, ben voilà, lance-moi une instance de ce conteneur-là. Je ne sais pas où tu l'héberges, je m'en fiche. Mais lance-moi juste un truc. Et ça permet aussi de faire un autre scénario, c'est de gérer des devices IoT. On a de plus en plus de scénarios en fait, où on a des devices IoT qui peuvent faire tourner des conteneurs Docker. Mais en fait, on pourrait gérer tous les conteneurs Docker qui sont sur ces devices IoT via du Kubernetes en passant par Virtual Kubelet. Qui nous fait l'abstraction en fait entre ces devices-là qui ne runnent pas vraiment un Kubernetes en entier, un nœud Kubernetes en entier et notre Kubernetes. Ok. Alors il y a plein de contextes dans lesquels ça peut être intéressant d'utiliser Kubernetes. Si vous hébergez qu'une application web toute simple, qui n'est pas forcément en microservices, etc. Est-ce que ça vaut le coup de passer sur du Kubernetes? C'est une vraie question à se poser. Parce que finalement, il faut, pour que ça fonctionne normalement, il faut au moins 3 nœuds dans le cluster, plus le nœud master. Et il y a des applications qui peuvent tout à fait tourner sur un serveur en termes de puissance. Donc, ce n'est pas valable non plus pour toutes les applications. A contrario, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas dans une architecture microservice que ça ne peut pas vous être utile, Kubernetes. Et c'est le premier cas d'usage, finalement. C'est bénéficier de tout ce qu'on s'est dit, c'est-à-dire mon application, elle freeze avec le heartbeat, finalement, je vais la redémarrer automatiquement, le nœud ne marche plus, donc je vais la déplacer sur un nœud qui fonctionne bien. Même si vous êtes sur une, entre guillemets, bonne vieille application monolithique, vous n'avez pas de problème de conflit de version de Java, de version de .NET, de Python, que sais-je, entre deux applicatifs qui tournent sur le même serveur, puisque ça, c'est les conteneurs qui vous le gèrent. Et puis, vous avez toutes ces fonctionnalités d'auto-réparation, d'auto-guérison qui peuvent vous être utiles. Si vous êtes dans des architectures microservices, là, vous avez vu, vous avez plein de systèmes qui vous permettent d'interconnecter les microservices les uns entre les autres, de faire ce qu'on appelle du service discovery. C'est vrai que je suis passé un tout petit peu rapidement dessus, mais je vais essayer de vous montrer juste une page. Très rapidement, parce qu'effectivement, on commence à déborder. Pas de souci, je suis assez bavard. donc en fait, là, ma page, je ne recharge pas, mais en fait, ça permet d'exposer en interne au cluster un nom DNS. C'est-à-dire que dans votre code, vous n'allez pas mettre l'adresse IP du service, vous allez juste mettre le nom DNS. C'est bon microservice de paiement et hop, c'est envoyé directement. Et puis il y a plein d'autres cas, machine learning, IoT, effectivement, où ça peut être intéressant. Ça marche avec plein de produits open source, bien évidemment sur toutes les phases de votre développement ou déploiement. Et puis bon, bien évidemment, dans Azure, on a plein de services pour supporter tout ça. Mais que vous soyez, encore une fois, complètement en dehors d'Azure, Kubernetes peut vraiment vous aider. Et si vous êtes dans Azure, Kubernetes sera simplifié par des services Azure. Voilà. Et dans les autres types de cloud, Google, Amazon, tu sais si c'est le même, c'est quoi? C'est pas Kubernetes, mais c'est le même système? C'est le même système. Je crois que les trois gros clouds ont un service qui s'appelle globalement Kubernetes Service. Ça se base tous sur le, enfin, ils se basent à ta connaissance sur cette même couche open source, quoi. Oui, tout le monde, toutes les instances de Kubernetes dans les clouds publics s'appuient sur Kubernetes Service. Après, chaque cloud est venu rajouter ses plugins.
Par exemple, Azure, on est venu rajouter pour parler aux Azure Disk d'Azure. Mmh. Ben forcément, Amazon va parler à son block storage, etc. etc. Ouais. Logique. Au volume EBS, etc. Ok. Voilà. Ça va ? Quelques mots. Ben, c'est parfait. Je ne sais pas si Christophe, tu avais d'autres points, d'autres remarques que tu voulais soulever ? Non, je n'ai pas d'autres points. Je crois que j'ai bien compris et je trouve que c'est indispensable pour Docker, en fait, finalement. Enfin, indispensable. Ça me paraît bien logique et c'est super puissant. C'est vrai qu'une première étape, à mon avis, est passée sur Docker. Et puis, une fois que tu travailles déjà avec Docker, là, ça devient vraiment, ça prend tout son sens, quoi, de faire les déploiements directement à partir de là. Tout à fait. Ouais. Ok, bah messieurs, je pense qu'on arrive ainsi tout doucement à la fin de cet épisode. S'il n'y a plus de remarques, je sais peut-être Christopher, tu peux peut-être nous rappeler comment faire pour te joindre si on veut avoir d'autres infos, si quelqu'un est intéressé. Je sais pas, un compte Twitter, un email. Tout à fait. Alors, je l'avais mis tout au début. Le plus simple, c'est effectivement le Twitter. Ok. @semaneux. Et c'est dessus, vous avez aussi mon blog www.maneux.fr pour les francophones. Ok, parfait. C'est très bien. Avant de nous quitter, peut-être juste une dernière remarque pour les personnes qui nous écoutent et qui nous voient. Si vous appréciez ce podcast, venez nous soutenir. Ça nous fait toujours plaisir. Vous avez ça sur tipeee.com/devaps ou bien simplement un commentaire en bas de page du podcast, dans les notes de ce qui se trouve en dessous de YouTube. Vous mettez un pouce bleu. Enfin, vous connaissez ça sur l'ensemble des podcasts. Vers le haut, le pouce. Ah oui, non, vers le haut, le pouce. On peut mettre vers le bas, mais bon. C'est vrai. Non, vers le haut, toujours vers le haut. Vers le bas. Toujours vers le haut. Ben voilà, un grand merci à tous en tout cas, à bientôt pour un prochain épisode. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Salut.